Salut, merci de votre fidélité à nos vidéos tutoriels sur TechnoPro. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quelque chose qui est d'intérêt, je dirais, commun sur DB WhatsApp. Comment cacher ou bien masquer une conversation, bien sûr, le contact qui y associe sur DB WhatsApp et démasquer cette conversation. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Commençons par voir. Supposons que je veux masquer la conversation, la première conversation que je vis sur mon écran. Donc, ce que je vais faire, d'ailleurs, si vous regardez, je peux toujours cliquer là-dessus et j'ai une conversation qui était avec cette personne-là. Donc, maintenant, je vais cacher ce contact. Et bien sûr, la conversation avec ce contact aussi. Ce que je vais faire, c'est tout simplement, je fais un tap et je presse pendant quelques secondes. Et vous allez voir en dessus, il y a un menu. Donc, il y a les trois petits points. Je clique là-dessus et je fais cacher. Automatiquement, DB WhatsApp va me demander mon code ou bien mon mot de passe. Donc j'écris mon mot de passe. Si vous faites ça pour la première fois, donc vous allez faire comme configurer un mot de passe. Donc il faudra recommencer avec la procédure si c'est pour la première fois que vous allez mettre ce mot de passe. D'accord? Je vais mettre mon mot de passe là-dedans pour entrer. Donc si vous regardez, c'est caché quoi. Maintenant le hic, c'est et comment retrouver cette conversation et ce contact qui est caché? Ben, c'est ça le truc. Et c'est vraiment une très bonne question. Comment trouver quelque chose qu'on a caché? Bien sûr, DB WhatsApp, il suffit tout simplement de savoir comment le faire. Vous cliquez sur là où c'est écrit DB WhatsApp. Ben, il y a quelques personnes qui écrivent leur nom. Et ça, vous pouvez configurer ça dans Settings pour mettre votre nom de préférence. Donc, vous faites un tap sur là où c'est dit sur l'écran DB WhatsApp. Et quand vous faites un tap, il va vous demander votre mot de passe. Vous écrivez votre mot de passe. Et vous avez le contact. Ce que vous faites maintenant, c'est tout simplement faites un tap Hold et vous cliquez sur l'œil qui est à côté là, vous voyez en haut, et vous faites le petit œil, et vous aurez à mettre votre mot de passe. Voilà, c'est fait, j'ai mon contact qui est retourné. Si vous ne voyez pas ce que vous faites, c'est tout simplement fermer WhatsApp un petit peu et retourner encore, et vous allez voir. D'accord? Moi-même, j'ai retourné là-dessus, comme j'étais en mode de virtuel. Donc voilà, le contact est réapparu. J'espère que la vidéo vous éclaire un peu sur comment vous devriez faire ça. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne YouTube. En plus de vous abonner, il faut cliquer sur la petite cloche et comme ça vous serez notifié quand nous avons une nouvelle publication. Merci d'avoir suivi notre vidéo tutoriel et n'hésitez pas à partager. Et aimer commenter. Au revoir et à bientôt.